Alors, que font ces gens? Ils montent le mont Taishan, 7200 marches, pour voir un temple. Non mais je respecte les mecs, hein, parce que c'est un vrai dépassement de soi. Un peu comme moi quand je décide de pas prendre Uber Eats et de descendre et faire deux rues pour aller me chercher un Big Mac. On est avec vous les gars. Beaucoup de gens en chient en le faisant, hein, alors que des grands-mères y arrivent. Mais c'est parce qu'elles ont Alzheimer, elles oublient vite qu'elles ont mal. Tu vois, elles ont « Ah, j'ai mal !» Ah, j'ai plus mal. Et bah, grâce à Alzheimer, t'oublies que t'es fatigué. Bah oui. À la base, bien sûr, c'est un truc de religieux, mais comme tout, à notre époque, ça devient un challenge TikTok. Eh, regardez, j'en chie de ouf, mais... Je suis une grosse merde, mais j'en fais un TikTok, les gars. Oh, je vais mourir. Et bientôt, pour aller en Chine, il va falloir s'entraîner de ouf, hein. Tu fais un marathon? Non, j'ai juste acheté des faux Lacoste. Ah non, mais là, les gars, j'en peux plus, j'ai tout donné, là. Oui, j'ai fait que 4 marches, hein, mais c'était les plus durs, mon pote. Hein, là, j'arrête. Allez, ciao. Mais par contre, quand t'arrives en haut, mon pote, t'as une super vue. Bon, t'es trop fatigué pour voir ce qui se passe, mais elle est belle la vue. Tu verras quand t'auras pris des photos. Waouh, je suis tellement fatigué que j'ai perdu la vue et mon pantalon. Sur la montée, hein, des escaliers, il y a plein de petits temples à voir. Mais plus tu montes, moins t'as envie de visiter les temples, parce que t'as vraiment envie d'arriver en haut. Mais je m'en fous, Martine, de tous ces temples. T'as qu'à te les mettre dans ton cul, il y a de la place. Excuse-moi, Martine, je me suis un peu énervé, je me suis un peu emporté. Mais c'est vrai que t'as un gros cul. Et qu'est-ce qui est en haut des 7200 marches? Eh ben un autre temple. Alors sympa, parce que pour redescendre les escaliers, t'as un téléphérique. Mais la question que je me pose, pourquoi ils n'utilisent pas le téléphérique pour monter? Sinon, j'ai une idée de start-up, on a qu'à embaucher des mecs qui portent d'autres personnes pour les monter tout en haut. Ça existe déjà? C'est des Ouïghours? Putain, ils sont forts les Ouïghours. Bon, il y a Inoxtag qui veut monter l'Everest, hein, mais pour les petits youtubeurs, ça coûte moins cher de faire les 7200 marches. Et c'est beaucoup moins dangereux, tu risques pas ta vie. Le seul risque que tu as pour mourir, c'est si t'as quelqu'un qui est devant toi qui tombe et qui te chamboule comme ça tout petit à petit, quoi. Là, ça devient dangereux. Dis-moi en commentaire si toi, tu serais capable de monter les 7200 marches de ce truc, ok? Bah, moi, c'est sûr que non, parce que déjà, dans mon immeuble, je monte pas les escaliers quand l'ascenseur est en panne, je préfère dormir chez la gardienne, hein, donc allez. Allez, bon courage les pauvres. Oui Martine, j'ai les boules, on a fini les 7200 marches. Tu m'as dit qu'en haut il y a une PlayStation 5 et il y a encore un autre temple. Écoute-moi bien Martine, on va descendre. Je te promets pas une PS5 en bas, je te promets le divorce, ok Martine?